Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée Pint of Science Paris. Donc, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis lundi et aux nouveaux arrivés. Et surtout, merci beaucoup d'avoir résisté aux terrasses. Je vous dis, vous avez bien fait. Déjà parce qu'il fait pas trop chaud, mais surtout parce qu'on vous a préparé une super soirée. Donc, vous n'allez pas être déçus. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, et Pint of Science, c'est un festival de vulgarisation scientifique où les chercheurs parlent de science autour d'une pinte. Donc, ce soir, pour cette huitième édition française, la pinte est virtuelle, mais quand même bien connectée. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre les activités, les événements dans 30 pays dans le monde à travers les réseaux sociaux avec l'hashtag Pint21. Et donc, j'en profite pour remercier la mairie de Paris qui nous soutient financièrement et surtout toute l'équipe parisienne qui a permis d'organiser cette soirée. Et nous avons notamment Marine et Christelle qui sont là en backstage. Coucou, salut. Donc elles sont aux Salut. commandes de la vidéo et du chat. Et Clara qui va animer la soirée avec moi. Donc là, on est prêt. Ouais, voici Clara. Je vais bientôt lui passer la parole. Donc, on est prêt ce soir. On a le plaisir d'accueillir trois intervenantes. Donc, on a Stéphania et Sophie, qui sont deux scientifiques qui vont nous parler de leur recherche avec une présentation de 15 minutes, suivie bien sûr de vos questions. Donc, n'hésitez pas, même pendant les présentations, de poser toutes vos questions dans le chat. Et on a aussi le plaisir d'accueillir Mélanie pour faire une petite séance Paint of Science. Et elle dessinera tout au long du live et donc on pourra découvrir. Bonsoir Mélanie. On pourra découvrir ses illustrations après chaque présentation. Donc là, je vais laisser la parole à Clara qui va introduire nos intervenantes. Et bonne soirée à tout le monde. Bonsoir. Alors, on va passer directement à la première intervention. Donc, notre première intervenante, c'est Stéphania De Vito. Stéphania est docteur en neurosciences cognitives et elle enseigne à Paris-Saclay. Elle écrit aussi pour des revues de vulgarisation scientifique et maintenant, elle va vous parler pendant une quinzaine de minutes sur l'oubli. Stéphania, je vous laisse la parole. Merci Clara. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente de participer à la Pint of Science. Alors, les thèmes de la soirée, c'est les amis et les ennemis du cerveau. Et je dois forcément vous parler de l'oubli. Pourquoi de l'oubli? Parce que l'oubli est normalement considéré comme un ennemi de la mémoire. Il est considéré en contradiction avec la mémoire. Et pourtant, dans les dernières années, les chercheurs ont commencé à réévaluer les statuts de l'oubli. De mécanismes passifs d'erreur de la mémoire même, un mécanisme actif sans lequel la mémoire ne pourrait pas fonctionner correctement. J'essaie de vous expliquer tout ça pendant cette petite conférence. Alors, ça c'est une pomme. Imaginez de la couper en deux. Et donc, vous voyez les points des pépins. Les points des pépins sont-ils tournés vers le haut ou vers le bas? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, on parle des points des pépins des pommes. Sont-elles tournées vers le haut ou vers le bas? Et en fait, elles sont tournées vers le haut. Ceux parmi vous qui n'ont pas donné la réponse correcte ou ne se souvenez pas, et ne doivent pas s'inquiéter, parce qu'en fait, c'est comme ça que notre cerveau marche. Il ne fonctionne pas comme une caméra, donc il n'enregistre, notre mémoire n'enregistre pas tous les détails de la réalité qui nous entoure, même des objets que nous utilisons tous les jours, comme une pomme. Notre mémoire marche selon un mécanisme bien plus complexe de reconstruction. Donc, elle garde l'essence des souvenirs et sur les détails, on a quelques problèmes. On les oublie ou on peut se confondre. Donc, si je vous pose la question, avez-vous une mémoire photographique? La seule réponse possible à cette question, c'est non. Vous n'avez pas une mémoire photographique parce que la mémoire photographique n'existe pas. On a certainement une mémoire visuelle, mais nous n'avons pas dans notre cerveau un mécanisme qui prend des photos de la réalité. Donc, au moment de la récupération d'un souvenir, nous ne pouvons pas prendre une photo et la décrire de façon exacte et précise. La preuve de ça, c'est qu'on fait toujours des erreurs de mémoire. Donc, on peut oublier, comme je vous l'ai dit, les détails, on peut se confondre. Et pourquoi oublions-nous donc?
Une des raisons, c'est que nous pouvons mémoriser, bien sûr, le matériel de façon volontaire ou même involontaire automatique. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé ce matin comme petit déjeuner, probablement vous savez me donner la réponse, vous vous en rappelez. Ça va dire que vous l'avez mémorisé de façon automatique. Vous n'avez pas fait l'effort d'apprendre par cœur que vous avez mangé les croissants et les cafés. Mais si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé le 19 mai de 2016, déjà vous ne pouvez pas vous souvenir. Pourquoi? Parce que évidemment nous avons un mécanisme d'oubli qui nous fait oublier les détails, les événements qui ne sont pas importants. Sinon notre cerveau serait saturé par tous les détails. C'est un peu ce qui vous arrive le soir quand vous avez vu beaucoup de monde, vous avez fait beaucoup de choses. Le soir, vous vous sentez saturé, vous vous sentez débordé, très fatigué. C'est un peu ce qui arrive aux personnes normales, mais avec une mémoire exceptionnelle, qui ont des problèmes à oublier. C'est le cas, par exemple, de Monsieur Cherechevski. Il était un journaliste russe étudié pour des décennies par le neurologue Luria. Cherechevski avait la capacité de mémoriser une quantité énorme de matériel, les chiffres, listes de mots, textes dans n'importe quelle langue. Il pouvait tout mémoriser et même il avait du mal à oublier. Mais cette capacité de mémoire exceptionnelle n'était pas du tout fonctionnelle dans sa vie, ne lui facilitait pas du tout la vie, même rendait sa vie un peu plus difficile. Par exemple, il avait du mal à reconnaître la même voix de la même personne, parce que si vous y pensez, la même voix de la même personne peut avoir 1000 nuances différentes. Nous sommes capables de généraliser et de comprendre que c'est toujours la même voix, mais lui, il reconnaissait 1000 voix différentes. Un autre cas dans la littérature, c'est le cas de Jill Price. Elle est une personne tout à fait normale, mais avec une mémoire autobiographique, dans ce cas exceptionnelle. Vous savez, il y a différents types de mémoire. La mémoire, quand on parle de mémoire autobiographique, on parle de la mémoire des événements personnels vécus dans le passé. Et Jill Price l'a contacté, le docteur Metcalf, pour lui faire partie de son problème. Pour elle, c'était un problème, le fait de penser et repenser constamment dans sa vie à ses événements personnels passés. Donc, elle n'arrivait pas vraiment à arriver à gérer cette mémoire extraordinaire qu'elle avait. Elle sentait même de pouvoir devenir folle à cause de cette capacité. Le docteur Metcalf l'a étudié, l'a analysé et en fait, il avait remarqué qu'elle avait une difficulté dans l'abstraction, dans son raisonnement, dans la risoluzione dei problemi e dalla generalizzazione. Après la publication de cet article, le docteur Metcalf a reçu d'autres mails par d'autres personnes qui disaient d'avoir une mémoire autobiographique exceptionnelle. Et donc, pour tester, pour vérifier que ces personnes tout à fait avaient une mémoire exceptionnelle, il utilisait un test, c'était le quiz des 10 dates. Il prenait des dates tout à fait aléatoires, par exemple 11 mars 2012, et il demandait aux gens quel jour de la semaine était, quels événements vérifiables qu'ils pouvaient vérifier sur Internet se sont vérifiés autour de cette date et quels événements personnels. Donc, vous comprenez bien que les contrôles à ce type de questions aussi difficiles données, comme vous voyez dans la partie droite de l'image, dans la barre grise, les contrôles avec une mémoire normale, ils donnaient le 15% de réponses correctes. Et par contre, les personnes avec une mémoire exceptionnelle, ils arrivaient à donner plus que le 80% de réponses correctes en total. Et vous le voyez dans la barre blanche. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, ces personnes? Selon Metcalf, ils avaient, ils pensaient à leurs souvenirs de façon presque obsessionnelle. Ça veut dire que quand ils étaient coincés dans le trafic, quand ils se couchaient le soir ou ils se réveillaient le matin, ils pensaient de façon très répétitive, très insistante à leurs souvenirs. Mais ça, c'est pas fonctionnel du tout.
parce que le temps qu'on passe à se souvenir de notre événement passé, de façon, si on passe du temps comme ça, répétitif et insistant, on peut soustraire ce temps à d'autres activités plus fonctionnelles, plus utiles. Et donc, avons-nous besoin d'oublier? Oui, bien sûr, nous avons besoin d'oublier. Et pourquoi? Parce que la mémoire a une valeur adaptive. Elle nous sert pour agir dans le présent et pour planifier nos actions dans le futur. Je vous fais un exemple. Si nous nous rappelions de tous les endroits où nous avons garé notre vélo dans toute notre vie, ce serait impossible ou bien très très difficile de repérer notre vélo où nous l'avons garé la dernière fois, parce que notre cerveau serait obstrué, embottillé avec tous les souvenirs et il y aurait même une interférence entre les souvenirs. Donc, on doit oublier pour avoir la possibilité de mettre à jour les informations et pour pouvoir les utiliser dans notre présent et surtout pour prévoir notre futur. En fait, la fonction principale de la mémoire ne semble pas trop être de se rappeler notre passé, mais de se préparer au futur. Et c'est quelque chose que Immanuel Kant, le philosophe allemand, avait déjà compris. Il avait eu l'intuition que nous n'utilisons pas notre mémoire pour nous rappeler notre passé, mais pour nous préparer au futur. Si je dois me rappeler où j'ai mangé une très bonne pizza à Paris, c'est parce que la prochaine fois que j'aurai envie de manger une bonne pizza, je saurai où aller la chercher. Nous pouvons imaginer même notre futur, des événements personnels du futur, de façon très détaillée. Je vous fais un exemple par d'un extrait du livre Guerre et Paix, où il y a le prince André qui doit référer à l'empereur François de la dernière bataille qu'ils ont eue. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il repère son passé, donc tous les détails de la bataille. Après, il les prépare de façon flexible dans son rapport concis à présenter à l'empereur. Mais même, il peut préparer les réponses qu'il donnera à l'empereur parce qu'il peut imaginer les questions qu'il lui posera de façon très, très vive. Donc, comme nous imaginons le futur sur la base de notre passé. Nous utilisons notre mémoire pour imaginer le futur. Et ça a été démontré par les chercheurs, aussi avec des techniques d'imagerie cérébrale. Là, vous voyez une IRM fonctionnelle avec laquelle on peut voir quelles aires du cerveau s'activent plus en correspondance à une certaine tâche que les participants font. Et donc là, vous voyez les paradigmes classiques de prospection future. Les chercheurs demandent aux participants de penser à un événement de leur passé, un événement spécifique de leur passé, et d'imaginer un événement spécifique de leur futur personnel. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est à gauche, l'activation cérébrale en correspondance de la tâche du passé, donc rappelle-toi d'un événement du passé. Et à droite, la tâche future, imagine un événement qui peut se vérifier dans ton futur. Et en rouge, vous voyez les aires du cerveau qui étaient plus activées. Et donc, vous voyez qu'il y a presque un chevauchement. Enfin, les aires du cerveau qui s'activaient pendant les deux tâches étaient presque les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Signifie que nous utilisons le passé pour imaginer le futur. Sans mémoire, nous ne pourrions pas imaginer notre futur. C'est un peu ce qui arrive dans le livre de Léo Leoni pour les enfants, où il y a une grenouille qui décrit à un poisson les oiseaux. Mais le poisson ne les a jamais vus. Et donc, automatiquement, il les imagine comme des poissons avec des ailes colorées. Mais il n'a pas vraiment une base de données pour pouvoir faire une imagination réaliste des oiseaux. Et quelque chose de similaire, ça arrive aux patientes amnésiques qui ont des troubles sévères de mémoire. Par exemple, là, vous voyez Cassé, un trentenaire qui avait perdu la mémoire suite à un accident avec les motos.
Et si le neurologue Endel Tulving lui demandait « qu'est-ce que tu as fait hier ?», il n'avait aucune idée. Mais la chose intéressante, c'est qu'il répondait à la question « que ferez-vous demain ?» aucune idée. Donc, il n'avait aucune idée même d'un événement du futur qui pouvait lui arriver. « Expliquez-moi qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à demain ?» Et Cassé disait, c'est comme si je nageais au milieu d'un lac sans rien à quoi m'accrocher. Donc, il n'avait pas une base de données à consulter pour pouvoir imaginer son futur. La même chose arrivait à Hachem. Hachem, c'est un autre patient amnésique très célèbre dans la littérature sur la mémoire parce qu'il nous a aidé beaucoup à évoluer, à développer nos théories sur la mémoire. Il avait subi une résection bilatérale des hippocampes. L'hippocampe est une aire qui joue un rôle très important dans la mémoire. Et même que de l'hippocampe, il avait reçu une résection aussi d'autres parties des lobes temporaux. Et donc, il avait une amnésie très, très sévère. Et quand le docteur Corkin, Suzanne, lui demandait « Que ferez-vous demain ?», il répondait « Tout ce qui me fera du bien ». Il n'avait aucune idée et il répondait de façon ironique, juste pour donner une réponse. Donc, nous avons besoin de notre mémoire, oui, pour imaginer le futur, mais nous avons besoin aussi d'un certain degré d'oubli. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas reproduire exactement les événements de mon passé dans le futur. Je ne peux pas utiliser un événement entier de mon passé et le reproduire tel qu'il est dans le futur. J'ai besoin de prendre différents morceaux de mon passé, du mon passé épisodique ou sémantique, pour pouvoir les mélanger et créer un événement original à projeter dans mon futur. Donc, j'ai besoin d'une sorte de flexibilité, capacité d'utiliser flexiblement mon passé. Quand cette capacité est compromise, les patients ont du mal à se projeter dans le futur. C'est le cas des patients avec la maladie de Parkinson, par exemple. Dans les étapes initiales de cette maladie, les patients gardent leur mémoire, mais ils ont des difficultés d'abstraction ou des sensibilités à l'interférence, par exemple, des flexibilités qui ne leur permet pas de revisiter leur passé de façon agile, en prenant différents morceaux de leur passé pour les mélanger dans une nouvelle architecture à projeter dans le futur. Et donc là, vous voyez dans les cercles rouges, dans cette image, la barre noire représente les patientes avec la maladie de Parkinson et leur production des détails dans les événements du futur. Donc à la question « imagine un événement qui peut arriver dans le futur », les événements qu'il décrivait étaient vraiment très très pauvres en détail comparé avec les événements de contrôle que vous voyez dans la barre grise. Et donc, les patientes disaient d'avoir du mal à se projeter dans le futur. Malgré tous mes efforts, je reste ancrée aux événements passés. Donc, pour conclure, nous pouvons imaginer notre futur grâce à un juste équilibre entre mémoire et oubli. Nous avons besoin d'oublier, de revisiter notre passé, de l'utiliser de façon flexible, parce que sinon le passé devient trop encombrant et on reste trop attaché à notre futur. On n'arrive pas à mettre à jour les informations et s'en servir de façon fonctionnelle à notre présent et à notre futur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un mécanisme reconstructif de la mémoire et pas d'un enregistrement et donc d'un mécanisme reproductif. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Stéphania. C'était passionnant. Je vais laisser un peu de temps aux gens pour écrire leurs questions dans le chat. Et en attendant, on va aller voir ce qu'a fait Mel de son côté. Qu'a-t-elle dessiné? Déjà, elle est très enthousiaste de participer avec nous à Mind of Science. Alors, mémoire orthographique exceptionnelle. Je n'arrive plus à oublier cette fois où j'ai tué cette petite pâquerette. Voilà, on voit qu'elle est très portée sur la nourriture et qu'elle nous donnera ses adresses de bonnes pizzerias sur Paris bientôt.
Voilà. Super. Merci, Mel. On te revoit tout à l'heure. Yes, ça marche. Alors, passons aux questions. Alors, il y a Serdisip qui vous demande comment le cerveau sait reconnaître les neurones à recycler pour laisser la place à des souvenirs plus importants. Alors, donc, un signal que nous donnons à notre cerveau, c'est quand on pense à nos souvenirs. Enfin, les souvenirs qui sont plus importants pour moi sont des souvenirs auxquels je pense plus. Et donc, le fait de penser et repenser à un souvenir consolide l'engramme, la trace de mémoire et donc la rend un souvenir plus important des autres que les autres. D'accord. Ensuite, on a une question de François qui demande « Peut-on maîtriser une hypermnésie ?» Oui, bien sûr, on peut la maîtriser. Il y a des façons. Par exemple, je vous ai parlé du cas de Chereshevski, de Monsieur Chereshevski. Je ne vous ai pas dit en fait que son hypermnésie était due à une capacité de synesthésie qu'il avait. Donc, il était capable de percevoir les choses en faisant un lien avec plusieurs sens. Par exemple, quand il entendait la voix de Vygotsky, qui est un psychologue russe très célèbre aussi aujourd'hui, mais à l'époque surtout, et il disait « Monsieur Vygotsky, vous avez une voix jaune et friable, par exemple. » Et donc, c'était cette capacité de synesthésie qui lui permettait d'avoir une mémoire meilleure. Enfin, ils utilisaient beaucoup, par exemple, d'éto-techniques, donc des images mentales. Et dès qu'il n'arrivait pas à oublier, il avait utilisé, grâce aussi à l'aide de son neurologue Luria, des éto-techniques pour oublier. Le matériel qu'il n'arrivait pas à oublier, il imaginait d'avoir un rideau qui passait, qui les cachait, qui passait sous le matériel et donc les cachait. Donc, ils utilisaient des mnémotechniques, des lettotechniques, non ? Des techniques. D'accord. Waouh. Super intéressant. Question suivante, peut-être. Alors, qu'en est-il des traumatismes, des événements passés qui nous ont marqués et que l'on voudrait oublier, mais qui peuvent influencer les événements futurs ? Oui, et donc ça c'est un vrai problème parce que les événements traumatiques, bien sûr, la personne qui les a vécu a tendance à penser et repenser très souvent à ces événements. Même on a le post-traumatic stress disorder qui est justement un disordre qui se vérifie en cas d'un traumatisme quand la personne n'arrive pas à oublier l'événement et même il le rappelle avec tous les dettagli. Donc là, il y a des techniques de thérapie, psychothérapie différentes pour aider ces personnes à associer des choses différentes à ces événements traumatiques. Même j'avais lu par exemple d'une technique qui utilisait les mouvements oculaires. Parce que quand vous essayez de penser à un souvenir, aux détails visuels d'un souvenir, et vous bougez les yeux constamment, en fait, c'est pas trop simple de voir les images dans votre esprit. Et donc, ils utilisaient cette technique des mouvements oculaires pour essayer de rendre plus faibles les détails visuels des événements, des souvenirs. D'accord. Super. Mais ça, c'est une des techniques. J'imagine qu'il y en a en effet beaucoup. Ouais. Alors, Swazik demande, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'entraîner à oublier certains souvenirs, donc en s'interdisant bien sûr d'y penser, et à l'inverse, prolonger la durée des meilleurs souvenirs en se forçant en quelque sorte à y penser souvent? Alors, donc, si vous pensez, par exemple, à l'université, non, aux examens, au matériel que vous devez apprendre à l'examen, là, c'est le fait, c'est qu'il faut se souvenir des détails, non, de tous les détails en vue de l'examen. Et donc, quelle est la technique la plus efficace pour éviter d'oublier les détails pour s'en souvenir?
À présent, les chercheurs nous disent que la technique la plus efficace, c'est l'effet testing. Ça veut dire que se poser des questions sur le matériel d'étude aide à garder ce matériel dans son esprit, même intercaler les différentes séances de testing, non? Par exemple, faire un intervalle temporel entre les deux séances de testing aide beaucoup à son souvenir. Ça veut dire penser au matériel, se poser des questions, essayer de le rendre propre, non? De l'insérer dans une sémantique personnelle, l'intégrer dans une sémantique personnelle. Et donc, c'est clair que si nous ne voulons pas oublier quelque chose, le fait d'y penser, parce que sinon, je ne sais pas si vous connaissez la courbe de l'oubli de Bingaus, en fait, le souvenir décline de façon vraiment très intense et très vite dans les premières heures, dans les premiers jours qui suivent l'événement. Et après, vous allez vous rappeler, après par exemple quelques mois, de 20% du matériel. Donc, au début, c'est un oubli très vite, et après, la courbe devient stable. Ça veut dire que si vous ne pensez plus à un événement, vous allez l'oublier. Clairement, le discours est différent pour les événements traumatiques. Là, il y a une activation différente, donc un impact aussi émotionnel différent. Et donc, c'est exactement le contraire. Vous vous souvenez plus. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va finir avec cette question parce qu'on n'a qu'une heure, donc on doit passer à l'intervenante suivante. Eh bien, c'était en tout cas passionnant. Ça a eu une réaction dans le chat. Donc, merci encore. On va donc passer... à accueillir maintenant Sophie Blanchet. Donc, bonjour Sophie. Sophie est maître de conférence, chercheuse au laboratoire Mémoire et Cognition à l'Université de Paris. Et elle va maintenant aborder avec nous le sujet de la plasticité cérébrale. Sophie, je vous laisse la parole. Alors, j'ai partagé mon écran. Est-ce que là, vous voyez bien mes diapositives? Oui, c'est parfait. Parfait. Alors, merci Clara pour l'invitation. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la plasticité cérébrale? Eh bien, la plasticité cérébrale, on peut la définir de plusieurs façons. Des processus de plasticité cérébrale s'observent face à une atteinte neurologique ou à des modifications liées à l'âge, à travers la mise en place, par exemple, d'une réorganisation cérébrale et également de processus cognitifs compensatoires qui peuvent être adaptés ou moins bien adaptés. Et dans le cadre de l'exposé, je vais vous présenter le phénomène de la plasticité cérébrale induite par des stimulations externes via des modes de vie ou dans le cadre de programmes bien structurés. Et ce phénomène de plasticité cérébrale va se manifester par de différentes façons au niveau du cerveau, des modifications au niveau de la structure, des modifications au niveau du fonctionnement métabolique, du fonctionnement neurophysiologique ou de la neurochimie. Et dans le cadre de cet exposé, donc je présenterai plus particulièrement le phénomène de plasticité cérébrale associé aux différents types de mémoire. Donc, Stéphanie Devitello vous a déjà présenté la mémoire épisodique et un peu la mémoire sémantique. Et donc, je vais vous présenter dans le cadre de cet exposé des phénomènes de plasticité cérébrale associés plus particulièrement à la mémoire épisodique et aussi à la mémoire de travail. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que la mémoire, les différents types de mémoire que je vais vous présenter? Donc, un des premiers auteurs de ces mémoires, c'est Tulvin, qui avait proposé en 1972 la mémoire sémantique et la mémoire épisodique qui ont été par la suite redéfinies. Donc, la mémoire sémantique, c'est la mémoire, ce sont les connaissances générales. Ce sont les connaissances qu'on acquiert au cours à travers les manuels, au cours de nos formations, donc les manuels scolaires, au cours des formations, des études,
à travers les visites de musées aussi. Donc, ce sont des informations que l'on ne peut pas resituer dans leur contexte spatial et temporel. La mémoire sémantique, eh bien, elle est aussi à la base du langage. Donc, on l'utilise vraiment régulièrement. Cette mémoire sémantique se différencie, donc qui est une mémoire qui est une des mémoires les plus préservées dans les atteintes neurologiques, mais également c'est une mémoire qui va s'améliorer au cours du temps, donc avec l'âge, on a tendance à avoir davantage de connaissances et une meilleure mémoire sémantique. Cette mémoire sémantique se différencie de la mémoire épisodique, donc qui a été abordée tout à l'heure dans le précédent exposé, donc qui est la mémoire qui permet de se souvenir d'événements dans leur contexte spatial et temporel, donc comme le fait de se souvenir de ce qu'on a mangé ce matin, ce souvenir va relever de la mémoire épisodique dans le sens qu'on se souvient de l'événement dans son contexte spatial, la cuisine. On se souvient de l'événement, donc qu'est-ce qu'on a fait, donc manger par exemple un croissant, et on se souvient du contexte aussi temporel ce matin. Le fait de se souvenir aussi d'aller à des rendez-vous va aussi relever de la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique est relativement sensible aux effets du temps, aux atteintes neurologiques, et les atteintes les plus marquées de cette mémoire sont dans les cas d'amnésie, comme on l'a vu tout à l'heure avec le cas HM. Et alors que c'est la mémoire épisodique, la mémoire sémantique concerne davantage les mémoires à long terme, sont des mémoires à long terme, donc avec une capacité infinie, eh bien, la mémoire de travail, elle, quant à elle, va plutôt travailler, donc va manipuler des informations sur une courte période de temps. Donc, dans la mémoire de travail, si on se réfère au modèle de Baddeley, le contrôle exécutif, notamment, eh bien, inclut des processus de contrôle, d'inhibition, de flexibilité cognitive quand on alterne entre différentes tâches. La mémoire de travail est aussi impliquée dans la manipulation de plusieurs informations. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est une mémoire qui est vraiment sollicitée dans de nombreuses situations complexes, comme le fait d'apprendre en présence de bruit, puisqu'on doit essayer de se concentrer sur ce qu'on apprend tout en ignorant les bruits, par exemple. Donc, on est en situation de double tâche. Le fait de suivre une conversation entre plusieurs personnes, puisque là, on doit aussi manipuler, gérer, essayer de suivre les différentes conversations. Le fait aussi de réaliser des calculs mentaux pour des enfants, eh bien, ça va être des situations qui vont beaucoup solliciter la mémoire de travail, dans le sens qu'il faut manipuler des chiffres mentalement. La mémoire de travail est une mémoire qui est très sensible aussi à des atteintes neurologiques, comme traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral. Et c'est une mémoire aussi qui peut être altérée suite ou diminuée dans des cas de dépendance alcoolique ou de dépendance à des substances. On trouve également une altération de cette mémoire, un retard du développement au niveau de cette mémoire, par exemple, chez des enfants ou des adolescents qui présentent des troubles, un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc dépendamment des cas. Alors, maintenant que je vous ai présenté les différents types de mémoire, je vais vous présenter les différents facteurs qui vont agir, donc des stimulations externes qui vont agir sur la plasticité cérébrale. Donc, ça peut être des facteurs de l'environnement, comme par exemple, on sait que la pollution atmosphérique et sonore, des données récentes indiquent que la pollution atmosphérique et sonore va avoir un impact sur le cerveau. Le stress également et la dépression sont associés à des modifications cérébrales et le stress et la dépression vont notamment affecter les structures hippocampiques et les régions préfrontales, donc qui sont des régions impliquées en mémoire et aussi dans la gestion des émotions et le contrôle. Même si les effets du stress et l'anxiété de la dépression sont réversibles, il faut savoir quand même que plus les épisodes de stress sont intenses et fréquents, et plus il y a des risques d'avoir des effets plus marqués et durables sur le cerveau. Un autre facteur qui peut agir de manière positive, c'est le sommeil, puisque le sommeil va favoriser la mémorisation à travers un phénomène de potentialisation à long terme, qui a lieu donc durant le sommeil
et ce phénomène de potentialisation à long terme et sous la dépendance des structures hippocampiques. Et par contre, le fait d'avoir un mauvais sommeil, une qualité de, des insomnies, bah, va plutôt être associé avec des troubles de la mémoire et peut même également contribuer à un développement atypique chez l'enfant. La méditation, il a été montré que la méditation produit aussi des changements sur les fonctions du cerveau, comme au niveau du cortex singulaire antérieur, donc qui est associé à l'attention et au contrôle de soi, au contrôle des émotions. Donc, dans le cadre de cet exposé, je mettrai davantage l'accent sur les effets de l'activité physique, sur la plasticité cérébrale et les fonctions cognitives, et également sur les effets des activités cognitives complexes à travers des modes de vie et les effets donc des activités aussi cognitives complexes ou à travers des programmes plus structurés comme des entraînements cognitifs. Alors, les effets de l'activité physique sur le cerveau et la cognition s'observent à différents âges, même s'ils ont été particulièrement étudiés chez la personne âgée. Et de nombreuses études ont mis en évidence que plus que les personnes âgées avec un niveau d'activité physique élevé, présentent une meilleure attention, une rapidité aussi de traitement plus importante, et une mémoire de travail aussi, une meilleure mémoire de travail et une meilleure mémoire épisodique par rapport à des personnes âgées qui sont moins actives ou sédentaires. Et ces gains cognitifs, on les retrouve également chez des personnes âgées qui ont suivi un programme d'entraînement structuré, d'entraînement en aérobie structuré. Ces gains cognitifs associés à la pratique d'activités physiques sont associés à une signature neuronale. Et ça se reflète notamment à travers cette étude de Colcombe. Ces auteurs ont proposé un entraînement en aérobie à des personnes âgées. Donc, cet entraînement en aérobie consistait en une marche de 3 séances par semaine, des séances à peu près de 30-45 minutes pendant 6 mois. Et suite à cet entraînement en aérobie, il a été montré que les personnes âgées, avaient amélioré leur attention et que également davantage d'activation au niveau du réseau fronto-pariétal était observé donc à cet âge d'attention chez les personnes qui donc avaient un haut niveau de fitness par rapport aux personnes avec un faible niveau de fitness. Et on observait également suite à cet entraînement en aérobie une diminution des activations au niveau du cortex singulaire antérieur, donc qui est une région impliquée dans la gestion des ressources attentionnelles. Donc, cette diminution au niveau des activations suite à l'entraînement en aérobie, en fait, signifierait, selon les auteurs, que les personnes auraient moins besoin de ressources attentionnelles pour traiter la tâche d'attention. Et donc, en fait, cette structure deviendrait plus efficiente suite à l'entraînement en aérobie. Donc, je présente des études sont intéressés aux effets des entraînements en aérobie, mais il faut savoir que des gains aussi cognitifs ont été observés suite à différentes pratiques d'activités sportives comme les arts martiaux ou la danse aussi. Alors, donc là, je vous présente une étude d'Erickson qui montre que l'effet de l'activité physique sur les structures hippocampiques. Donc, l'hippocampe, c'est une structure qui joue un rôle primordial en mémoire épisodique et qui est très sensible aux effets de l'âge et notamment cette diminution de cet hippocampe peut avoir tendance à diminuer de volume avec l'âge. D'où tout l'intérêt de protéger son hippocampe et également de protéger sa mémoire puisque la mémoire est essentiellement sous la dépendance, en bonne partie sous la dépendance de l'hippocampe. Dans cette étude, Erickson a mis en évidence que
des personnes âgées qui avaient suivi un entraînement en aérobie pendant un an, eh bien, présentaient, en plus d'une amélioration de la mémoire épisodique, une augmentation de la taille de l'hippocampe de l'ordre de 2%, ce qui correspondait à peu près à une inversion des effets de l'âge de 1 à 2 ans. Donc, vous voyez ici sur ce graphe un effet donc au niveau du baseline, donc le volume au niveau du baseline, et entre les deux groupes. Donc, il y avait un groupe qui était impliqué dans des exercices d'étirement et l'autre groupe de personnes âgées suivait le programme d'entraînement en aérobie. Et donc, vous voyez que en bleu, là, le groupe de personnes qui suivent le programme d'entraînement en aérobie, eh bien, le volume de leur hippocampe augmente avec le temps et l'entraînement. Alors que chez les personnes qui suivent le programme d'étirement, on observe plutôt une diminution du volume de l'hippocampe avec le temps. Et fait intéressant, c'est que cette augmentation de la taille de l'hippocampe avec l'entraînement en aérobie était associée à une libération d'une protéine neurotrophique, la BDNF, qui est une protéine qui va agir au niveau de la neurogénèse. Et au-delà des effets au niveau de la mémoire, de la santé cognitive, l'activité physique a aussi des effets sur la santé mentale et les mécanismes neuronaux sous-jacents. Donc, je tenais à le préciser à travers cette diapositive qui montre en fait, chez les personnes âgées notamment, on peut avoir jusqu'à 15% de la population âgée qui présente des symptômes dépressifs et la prise en charge par des traitements pharmacologiques est plus ou moins efficace. Et en fait, il a été montré que la pratique d'activité physique chez des personnes âgées qui ont une dépression de sévérité légère à modérée, eh bien, constituerait un traitement plus efficace même que les antidépresseurs. Et donc, cette efficacité s'expliquerait par le fait que l'activité physique est associée à une libération de sérotonine qui est un neurotransmetteur associé à l'humeur. Et chez les personnes qui présentent des troubles dépressifs, on observe une diminution de la libération de la sérotonine. Donc, le fait de réaliser de l'activité physique, eh bien, viendrait réaugmenter le niveau de sérotonine, donc ce qui expliquerait en partie donc l'effet de l'activité physique sur la réduction des symptômes dépressifs. Et l'activité physique contribue également à un meilleur fonctionnement du système dopaminergique strié, qui est un système qui est impliqué dans le plaisir, l'attention et également dans les capacités d'apprentissage. Au-delà les effets de l'activité physique, on les retrouve également chez les enfants et les adolescents. Donc ici, je vous présente l'étude de Shadock qui ont montré donc que les enfants qui présentaient un niveau d'activité physique, un higher fitness, donc un niveau de fitness plus élevé, avaient un volume d'hippocampe qui était supérieur par rapport à des enfants avec un plus faible volume, un plus faible niveau de fitness. Et ce niveau de fitness plus élevé était aussi associé avec une meilleure mémoire épisodique chez les enfants et les adolescents. On observe cette relation également entre le niveau de fitness des capacités arithmétiques chez des enfants et des adolescents. Et les enfants les adolescents avec les meilleures capacités arithmétiques et un niveau de fitness plus élevé, présentaient en fait au niveau cérébral certaines régions qui, au niveau du cortex, étaient plus fines et fort probablement que cela reflèterait une plus grande maturité de ces régions grâce à l'activité physique. Donc rapidement, c'est pour vous indiquer cette diapositive, pour vous indiquer que l'activité physique, eh bien, ça a un effet non seulement chez des personnes, enfin, ça a aussi des effets chez des personnes, chez des enfants et des adolescents qui présentent un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme le montre ici cette étude de IRS.
Et donc, les auteurs ont mis en évidence que le fait de participer à un programme de sport de 12 semaines, eh bien, ça améliore la mémoire de travail comparativement au fait d'être sur une liste d'attente. Donc, pour la dernière partie de l'exposé, j'aimerais donc souligner l'impact de des activités cognitives complexes, soit à travers les modes de vie, soit à travers des programmes d'entraînement cognitif structuré, donc sur la plasticité cérébrale. Donc, il y a un certain nombre d'études épidémiologiques qui suggèrent que le fait de réaliser des activités mentales complexes, eh bien, réduirait les risques d'évolution vers une démence. Et l'étude de Valenzuela éclaire sur les mécanismes neuronaux sous-jacents à cette participation, à ce mode de vie incluant des activités mentales plus complexes et qui sont associées avec un risque plus faible de démence. Eh bien, en fait, dans cette étude, les auteurs ont mis en évidence que les personnes âgées avec un niveau d'activité mentale complexe, par activité mentale complexe, on entend la participation à des activités artistiques, des activités culturelles, des activités sociales, le fait de participer aussi, de faire de l'écriture, la lecture, etc. Eh bien, ces personnes avec un haut niveau d'activité mentale présentaient un volume de l'hippocampe qui était plus élevé par rapport aux personnes qui avaient un faible niveau, un moindre niveau d'activité mentale complexe. Et ici, sur ces images, donc on voit bien donc, la taille du de l'hippocampe ici est beaucoup plus volumineuse que chez les personnes avec un haut niveau d'activité mentale par rapport aux personnes avec un faible niveau, plus faible niveau d'activité mentale. Alors maintenant, j'aimerais vous faire un petit exercice. Donc, vous allez voir des lettres qui vont apparaître une par une sur l'écran. Et j'aimerais que vous essayiez de m'indiquer si la lettre qui apparaît à l'écran, vous l'avez vue 3 essais auparavant. Et donc, il faut essayer de répondre après chaque lettre. Donc, ici, L, donc c'est non. Donc là, c'est oui. Non. Oui. Oui. Non. Non. Donc là, je vous avais fait un petit exercice qui entraîne la mémoire de travail et plus particulièrement les capacités de mise à jour de la mémoire de travail. Donc, c'est le genre d'exercice, parmi d'autres exercices, qu'on peut retrouver dans des programmes qui entraînent la mémoire de travail. Donc ici, je vous ai mis un ensemble de programmes qui entraînent la mémoire de travail qui ont été validés à travers des études scientifiques dont l'efficacité a été étudiée et validé souvent donc à travers des études scientifiques. Et Lee et ses collaborateurs se sont intéressés au phénomène de plasticité cérébrale associé à ces entraînements de la mémoire de travail. Et les auteurs ont donc à travers, et donc ici, donc là vous avez cette représentation qui montre les activations au niveau du réseau frontopariétal qui sont associées avec les entraînements de la mémoire de travail. Donc, c'est le réseau frontopariétal qui est associé donc, à des processus attentionnels et à la mémoire de travail. Et dans leur étude, dans leur méta-analyse, Lee et ses collaborateurs, donc cette méta-analyse qui a porté sur tout un ensemble d'études qui s'intéressaient aux impacts des entraînements de la mémoire de travail sur les mécanismes neuronaux, eh bien, à travers ces entraînements de mémoire de travail variaient en longueur, donc pouvaient aller de quelques semaines à une dizaine de semaines. Et en compilant ces données, les auteurs ont mis en évidence qu'il y avait une réduction des activations frontopariétales avec l'augmentation de la durée de l'entraînement, ce qui signifierait en fait qu'avec l'entraînement de la mémoire de travail, il y a cette diminution d'activation frontopariétale qui est associée reflèterait une meilleure efficience du réseau frontopariétal, donc suite à l'entraînement. Donc, l'ensemble de ces données milite donc en faveur d'un phénomène de neuroplasticité qui est induite par l'entraînement de la mémoire de travail chez l'adulte.
Donc, ces approches non pharmacologiques, cette approche non pharmacologique, donc l'entraînement de la mémoire de travail, l'entraînement cognitif, donc peut être de manière utilisée chez des populations qui présentent des déficits de la ou des faiblesses au niveau de la mémoire de travail, comme dans le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, des patients schizophrènes, des patients ayant subi un traumatisme crânien, dans des personnes aussi qui ont subi un accident vasculaire cérébral dans le vieillissement. Donc, pour finir, on a vu donc à travers l'exposé que la plasticité cérébrale va permettre de confirmer l'efficience de certaines approches non pharmacologiques qui permettent d'améliorer la santé cognitive et mentale, et ceci à travers différents âges. Et cette meilleure efficience se manifeste par des meilleures performances académiques, par exemple pour les enfants et les adolescents, ou par une préservation de la mémoire dans le vieillissement. Et donc, vous voyez que ces approches sont relativement faciles et simples à mettre en place dans la vie de tous les jours et pourraient contribuer et contribuent également à une meilleure qualité de vie. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. C'était de nouveau waouh, très intéressant. Je suis heureuse de faire autant de sport. Malheureusement, ça ne m'empêche pas d'oublier le nom des gens. Donc, comme quoi, il faudrait peut-être que j'en fasse plus. Pendant que les gens écrivent quelques questions, on va passer au dessin de Mel. Mel. Oui, c'est moi, oui. Alors, j'ai fait plein de blagues pourries. Je suis désolée d'avance pour mes blagues de merde. C'est pas grave. Comment ça? Le cerveau est plastique? Oh, je suis deg, j'essaie de me débarrasser du plastique au quotidien, alors ça m'arrange pas trop. Hein. Voilà. Ensuite, c'est un gars qui montre une tique sur son bras. Il fait « Regarde, et souviens-toi-en, c'est ma tique !» Et donc, c'est la mémoire sématique. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est une mère qui engueule son fils qui lui dit « Chérie, c'est quoi sa note en français ?» Et le petit fait « Eh, mais je comprends pas, j'ai bichonné mon hippocampe ces derniers jours. » Et puis là, on voit un petit hippocampe sur le côté qui fait « Gloup, gloup. » Voilà, petit malentendu. C'est à propos de l'hippocampe qui diminue au cours du temps et la mémoire aussi. Puis il y a une dame dans un couple qui fait « Bah, avec le temps, il n'y a pas que l'hippocampe qui diminue. » Voilà. Ensuite, les shadocks, hein, ça, c'était obligé. Évidemment, on y a tous pensé. Écoute, les shadocks, fais du sport pour mieux te souvenir. Et là, il y a un petit shadock qui court et un petit shadock qui fait de l'haltérophilie. Puis là, après, j'ai mis « Rétablissons la vérité, les hippocampes sont les vrais leaders de la mémoire et pendant ta trompe, puis il y a un éléphant qui est blasé à côté. Dit, voilà. Et l'hippocampe, c'est quand même un animal très pédant. Voilà. Merci beaucoup, Mel, c'est super. De rien. On va passer aux questions. Alors, on a très peu de temps pour les questions, donc je pense qu'on en fera juste une ou deux. Alors, l'équipe d'Amiens demande s'il y a un âge à partir duquel la plasticité cérébrale ne fonctionne plus ou que cela devient irréversible. Eh bien, en fait, on observe des phénomènes de plasticité cérébrale jusque dans le vieillissement, même le vieillissement relativement avancé. Mais par contre, chez des patients atteints de la démence, comme la maladie d'Alzheimer, on observe moins de ce phénomène de plasticité cérébrale est atténué, notamment par la présence des plaques amyloïdes qui vont gêner la régénération. Merci. Une autre question peut-être? Alors, Edwige demande… Comment la pratique sportive pourrait avoir un impact sur le cerveau, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique ce lien en fait? On observe un effet de l'activité physique, de la pratique sportive sur plusieurs, au niveau des structures, on a vu, donc au niveau des métaboliques, mais au niveau de la neurogenèse sur le plan neurochimique aussi, au niveau des neurotransmetteurs, et puis aussi au niveau de la libération de la BDNF est une composante qui est la BDNF qui est un facteur neurotrophique qui est très impliqué et qui est libéré grâce à l'activité physique, va contribuer à la régénérescence des neurones au niveau des structures hippocampiques. Au niveau des régions frontales aussi, on observe un meilleur fonctionnement
des régions frontales qui sont impliquées dans les fonctions exécutives. Mais en fait, il y a des effets au niveau des structures, au niveau du métabolisme, mais également au niveau neurochimique, neurophysiologique et même au niveau des processus inflammatoires avec l'activité physique, on a moins de processus neuro-inflammatoires et ce qui contribue également à avoir un impact bénéfique au niveau du cerveau. Donc, en fait, il y a vraiment des effets à plusieurs niveaux de l'activité physique sur le cerveau. Super. C'est quand même assez complexe, ça peut aller de ce que j'ai présenté, essentiellement les effets métaboliques et structuraux, mais ça peut être plus complexe. Je comprends. Eh bien, il est déjà 20h25, alors malheureusement, on va peut-être s'arrêter là. Merci encore d'être venu nous expliquer un peu mieux ce qu'était la plasticité cérébrale. J'en profite aussi pour remercier de nouveau les deux autres intervenantes. Donc Stéphania et Mel, c'était une très bonne soirée passée avec vous et je vais rendre la parole à Béatrice qui va tester votre mémoire à vous. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Là, j'ai plus d'excuses pour éviter l'activité physique malheureusement. Et là, on a quelques minutes pour faire une activité tous ensemble. Donc je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette soirée? Et vous pouvez trouver un lien en fait dans le chat ou affiché ici. Vous pouvez cliquer sur le lien pour pouvoir répondre avec des mots-clés. Donc, on va chercher de créer un nuage de mots pour résumer notre soirée. Donc, voilà, n'hésitez pas à envoyer ce qui est dans votre tête. Vous pouvez envoyer plusieurs mots, évidemment, sur... Les interventions aussi. Merci aussi à Mel pour les dessins. C'était vraiment très drôle, sympathique. Alors, est-ce qu'on a quelques mots? On attend. Ah, neurones. Oui, c'est vrai, on en a beaucoup aussi. Souvenirs, mémoire, hippocampe, pizza, oui, c'est vrai. Pizza, c'est le mot le plus grand pour l'instant, un sport à gagner. Alors, ça commence à augmenter. Ouais, je pense qu'on a tous appris qu'il faut faire du sport, c'est bien. On a pris quelque chose d'important. Plasticité, mémoire épisodique, cerveau. Voilà. Bah, super. On peut continuer à l'infini. Ah, c'est très sympathique. Alors, le sport et plasticité cérébrale. Oui, d'abord on fait du sport, après on peut manger une pizza. Maintenant que les pizzerias ont réouvert, finalement, on peut vraiment y aller. Ok, bah, je pense que ça résume bien en fait notre soirée. Et merci encore à toutes et à tous d'être là, donc, de nous avoir suivis pour cette soirée. Donc, je veux remercier toute l'équipe parisienne. Ils sont là, ils sont en backstage et dans le chat. Donc, merci beaucoup à Betty, Paula, Chloé, Brenna, Clara, Olivia, Céline, Christelle, Anaïs et Théo. Et à nos coordinatrices Marine et Louise, sans lesquelles on n'aurait pas pu organiser toute cette soirée. Et je vous invite à suivre les prochaines présentations qui vont commencer très bientôt. Donc, vous pouvez rejoindre Toulon qui aborde des questions de taille avec aussi un petit quiz interactif ou Saint-Étienne qui parlera de danse et de laser. Voilà, je vous laisse choisir et je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver toutes les présentations Pinto Science de cette année en replay et n'hésitez pas à nous suivre avec l'hashtag Pint21. Bonne soirée à tout le monde et on espère de vous retrouver l'année prochaine dans les bars. Salut!
Salut.